Et quelqu'un que j'ai pu découvrir ici même, pas très loin, à Bruxelles, au Kings of Comedy Club. C'est un artiste liégeois. Comme j'ai dit tout à l'heure, il s'auto-surnomme le Jésus roux. Voici une performance performante. Veuillez accueillir Mathieu Debatty, mesdames, messieurs. Cette chanson parle de la violence que nous avons tous en nous et qui, parfois, involontairement, peut toucher les proches que nous aimons. Non, non, je déconne, je ne sais pas chanter ni jouer de la guitare. Excusez-moi, mais là, je profitais du plateau pour réaliser un de mes vieux rêves. C'est de faire comme les vrais, à préparer le matos et tout ça. Ça le fait, hein. Ouais. Mais moi, j'y connais rien du tout. Hein, j'y connais rien. Là, je touche à des boutons, mais je ne sais même pas à quoi ça sert. Vous avez vu ça dans les concerts, ils sont toujours en train de toucher des petits boutons. Toi, tu sais pas à quoi ça sert. Mais eux, ils le savent. Et ça, tu trouves ça génial, quoi. Et puis pendant le concert, on voit, ils font des tout petits réglages, des tout petits réglages. Toi, t'entends pas la différence. Mais eux, ils l'entendent. Et ça, tu trouves ça génial, quoi. C'est remarqué, ils font des tout petits trucs comme ça. Ouais, ouais. C'est mieux, hein. Ouais, on voyage, là, on voyage. Ouais. Excusez-moi, c'est possible de mettre un petit peu plus de réverb, s'il vous plaît? Non, je déconne, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est génial, quoi, c'est génial. Puis vous imaginez un peu le trip que ça doit être sur scène, quoi. Vous êtes sur scène et devant vous, des milliers de personnes. Des milliers de filles qui connaissent toutes vos chansons par cœur et qui les chantent pendant tout le concert, ça doit être magnifique, quand même. Mais ça peut être également très énervant, ouais. Parce que moi, j'ai connu comme ça des chanteurs qui, à la fin de leur carrière, ben, ils pouvaient plus chanter du tout. Hein. Je sais pas si... Vous vous rappelez de Patrick Bruel, la Bruelmania? Ben, à la fin, Patrick, il chantait plus du tout. Par contre, il y a un moment que j'aime beaucoup dans un concert, c'est, vous savez, arrive toujours ce moment où le chanteur ne sait plus trop quoi raconter au public. Vous savez, il a déjà présenté 4 fois tous les membres du groupe. Alors arrive cet instant magique où il se met à parler de la chanson qu'il va interpréter. Vous savez, de l'histoire de la chanson, de comment les paroles lui sont venues comme une évidence. C'était lors d'un voyage. J'étais dans le ferry qui me conduisait de Dunkerque à Strasbourg et... Et il y avait cet homme, aveugle. Cet homme qui n'arrêtait pas de se cogner la tête contre les murs à la recherche de cette porte qui conduirait vers le pont je ne sais où et... Et j'observais cet homme et... Et après m'être remis de mon fou rire, je me suis dit... Mais oui, mais cet homme est le symbole de ce que nous sommes tous. Nous sommes tous là à tâtonner, à nous cogner la tête contre les murs à la recherche de cette porte qui nous conduira vers le bonheur. Vers la paix intérieure. Vroom, vroom, fait la voix de... Non, je déconne. Je déconne, je sais vraiment pas chanter. Hein. Non, je déconne. Voilà, et pour ce qui est de la guitare, ben, je connais juste un accord, c'est celui-ci, c'est... Hop. C'est beau, hein? Ouais. Mais je sais même pas comment ça s'appelle, je sais pas quelle note c'est une demi-molle ou... Non, c'est pas ça? C'est pas ça? Je sais pas, je ne connais pas. Non, je ne peux pas jouer de la guitare, mais je peux vous en donner l'illusion. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez... Allez, moi, je me fais plaisir. Allez, si vous voulez, vous pouvez participer. Si vous voulez crier mon prénom, moi, c'est Mathieu. Ou pas. Ou sinon, allez-y, hein, mettez l'ambiance. Hein. Allez! Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup.